Bien, vous allez voir comment partager un article de blog vers Facebook. Pour cela, j'ouvre mon article que je veux partager, notamment celui-là. Puis, je sélectionne la barre d'URL. Je la copie. Puis, j'ouvre Facebook Pro. Donc, par rapport à un Facebook classique, dans lequel il y a Amis, je clique à droite sur le nom de la page Facebook dans laquelle je veux partager. Je mets dans écrire une publication, puis je fais coller. Il est possible, comme vous voyez là, que la photo n'apparaisse pas. C'est-à-dire qu'il y a un petit problème de connexion. Il suffit de faire rafraîchir, de recommencer. Et là, votre image apparaît. Donc en fait, je vais prendre une. Là, vous avez vu qu'il y a 5 images. Ben, je vais sélectionner une de ces images. Donc celle-là, 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 celle-là. Et je vais prendre. Je vais prendre celle-là et pas celle-là. Voilà, je vais sélectionner celle-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter mes hashtags. Vous saisissez ce que vous avez saisi dans votre nom de profil. Si ce que vous avez saisi dans votre nom de profil est vrai, ça marchera. Si c'est un faux profil, passez votre chemin, ça ne marchera pas. Nom d'entreprise. Un espace, hashtag, et là, partager un, hop là, là, hop, tout attaché, un article dans une, un article dans page Facebook. Voilà, 1, 2, 3, et je partage. Voilà, j'ai mon article qui est ici, et si je clique ici, il va lier à mon article de blog qui est en ligne. L'intérêt de faire ça, c'est de donner des informations et de partager, et d'avoir une page dans laquelle vous avez des amis, et ben la finalité ici c'est le nombre de j'aime que vous récupérez et qui vous permet d'être bien référencé. Pensez à faire vérifier la page ici, ce qui va vous aider à être positionné devant les autres. Et vu la concurrence, on fait tout ce qu'il faut faire.